La salle philharmonique de Liège est un bâtiment qui a été inauguré en 1887. Il n'y avait pas d'orgue à ce moment-là. L'orgue n'a été installé en fait que 2 ans plus tard, en 1889, et inauguré en 1890 par 3 organistes. Charles-Marie Danels, qui était professeur d'orgue ici au conservatoire. Il y avait Alphonse Mailly, qui était professeur d'orgue au conservatoire de Bruxelles. Et enfin Charles-Marie Vidor, qui était un des grands organistes de l'époque, un parisien, qui était titulaire de l'orgue de Saint-Sulpice à Paris. D'où vient cet instrument? Eh bien, c'est un instrument qui a été construit au départ pour une exposition universelle qui se tenait à Bruxelles en 1888. Scheven était un grand facteur d'orgue belge, bruxellois de la fin du 19e siècle. Il est surtout connu pour avoir construit l'instrument de la cathédrale d'Anvers. Le système à dédoublement qu'avait mis au point Scheven hypothéquait le rendement sonore de l'instrument. Mais la composition qu'il avait établie au départ, soit la nomenclature des jeux, était tout à fait cohérente. Au niveau de la soufflerie, au départ, on avait, comme dans les églises jusque dans les années 20-30, 2 personnes qui pédalaient à l'intérieur de l'instrument. Donc on avait 2 soufflets principaux de part et d'autre, et chacun était alimenté par une personne qui pédalait. Donc on a peine à s'imaginer ce que pouvait être la corvée des souffleurs pour les organistes, mais... C'était une réalité de l'époque. Le buffet a été construit à une autre époque que l'instrument, que la partie intérieure. Quand on a construit le buffet, on l'a conçu avec des tuyaux, ce qu'on appelle des tuyaux postiches ou des chanoines. En facture d'orgue, on parle souvent de chanoines. Ce sont donc des tuyaux qui sont visibles, qui sont exposés à la vue, qui sont en façade, mais qui ne parlent pas. Donc ils ne sonnent pas, ils ont simplement un rôle décoratif. C'est un instrument qui avait été fortement modifié depuis 1890. Il a été restauré, entre guillemets, plusieurs fois, fortement transformé aussi. En plus, il n'était plus entretenu, donc énormément de poussière, du plâtras qui tombait de partout. Donc c'était un petit peu le délabrement, ça, il faut bien le reconnaître. Les tuyaux étaient vraiment très très abîmés, complètement affaissés. Ils étaient tombés les uns sur les autres, puisque le premier tombe sur le suivant, qui tombe sur le troisième. Donc, vous voyez ce que ça peut faire en fin de parcours. Donc, oui, ça, c'est clair qu'il y avait un gros travail de restauration dans la tuyauterie, et surtout dans les jeux d'anches. Lors de la restauration,
dans le parti, dans les choix philosophiques, si vous voulez, de restauration, on a décidé d'écarter les apports des années 50 qui n'entraient pas vraiment dans la logique stylistique de l'instrument du 19e siècle. La même chose avec les apports des années 20. Donc on a gardé uniquement comme matériaux anciens les tuyaux de Scheiven, et tout ce qui est fait en complément est fait sous forme de copie en s'inspirant des autres instruments de Scheiven conservés ailleurs en Belgique pour s'intégrer le mieux possible à l'esthétique de départ de l'instrument. Sur base du cahier de charge qui avait été établi, on s'est évidemment réparti les tâches avec la manufacture d'orgue luxembourgeoise. Nous avions la construction des sommiers, la construction des charpentes, tout le montage ici en atelier, puisqu'il y a eu un pré-montage en atelier, suivi alors du remontage sur site, la restauration des tuyaux anciens à bouche et également les tuyaux neufs à bouche. On a dessiné, planifié et dessiné les structures. Déjà dans les discussions initiales, mais après en concret, à notre charge était tout ce qui est traction électrique, électronique, les tuyaux en bouche en partie, surtout les anges, les nouveaux et l'harmonisation des anciens qui étaient restaurés par les Thomas. On a fait en plus tout ce qui est soufflerie, les bottes expressives et encore des chipoteries un peu à gauche et à droite, comme ça se présentait. Voilà. Le grand principe, effectivement, dans un travail tel que celui-là, c'est de conserver un maximum les tuyaux d'origine. D'ailleurs, la composition de base, les différents jeux qu'on aligne les uns à côté des autres, est partie de la composition d'origine de Scheiven en 1890. Un choix qui a été très, très important, c'est la position des plans sonores. Donc il y a trois claviers et un pédalier, donc, ce qui veut dire quatre plans sonores. Où allons-nous les disposer dans l'orgue? Dans l'orgue de Scheiven, entre autres, le récit et le positif étaient derrière le grand orgue. Vous aviez le grand orgue, puis le récit, puis le positif, donc qu'on n'entendait plus, évidemment, puisqu'il était tellement éloigné et tellement bouché que le son ne sortait pas. Donc on a décidé de modifier la position de ces plans sonores. Le grand orgue a pratiquement gardé sa place vraiment immédiatement derrière la façade et à l'avant-plan. Le grand récit expressif, tout à fait derrière, mais surélevé par rapport au grand orgue pour qu'il puisse vraiment sonner dans le creux du grand orgue, et alors le positif au-dessus, où le son est d'ailleurs se répercute très 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 bien dans la salle grâce à la forme du plafond. Et puis alors, bon, on commence la construction des différents éléments, chacun dans son coin. Pendant 2002-2003, donc pendant pratiquement plus de 2 ans même, nous avons travaillé en atelier avant de pouvoir aller remonter l'instrument sur site, donc en juillet 2004. Des tuyaux comme ceci, le pied était tout à fait écrasé, donc il faut le recouper et puis le remettre en forme pour lui donner, essayer de lui redonner sa forme initiale. Et puis on fait une soudure, on essaie de ne pas modifier la longueur, on essaie de garder le tuyau plus ou moins d'origine, quoi. Et alors, parfois quand la partie est trop abîmée, alors on remet carrément une neuve, donc on fait une analyse du métal et on remet la partie abîmée, on la remplace par une neuve avec le même alliage d'origine. Vous voyez ici différents types, un échantillonnage de tuyaux d'orgue. D'abord ici les jeux à bouche. Ça c'est ce qu'on appelle un principal, donc ce sont des tuyaux ouverts, tels que dans l'orgue la montre, le prestant, la doublette, les fournitures et cymbales. Ici vous avez un jeu très étroit, c'est la famille des gambes, avec son frein ici à l'avant. Nous avons ici une flûte à cheminée,
un jeu conique et un bourdon, donc qui est fermé à son extrémité. Donc, le principe de fonctionnement du tuyau, c'est comme la flûte à bec, le vent pénètre par le pied, passe par une petite lumière à ce niveau-là, puisque nous avons le tuyau qui est fermé par le biseau, nous avons une petite lumière par où passe le vent. Ce faisceau d'air se brise sur la lèvre supérieure de la bouche et met en vibration l'air qui est dans le tuyau. Et c'est la longueur du tuyau qui donne la hauteur du son. Donc un jeu d'orgue, qu'est-ce que c'est? C'est une série de tuyaux de longueurs différentes, les plus grands pour les notes graves, les plus petits pour les notes aiguës. Dans l'orgue, les tuyaux en métal sont toujours en alliage étain-plomb. Hein, donc pas de zinc, ça c'est important. Et il y a effectivement aussi des tuyaux en bois, comme celui que vous voyez ici. Dans les instruments de la salle philharmonique, ces tuyaux sont en sapin. Soit de l'Oregon, soit du sapin rouge. Donc le principe de fonctionnement est toujours le même. C'est le vent qui rentre par la base, passe ici par cette lumière, et à nouveau se brise sur la lèvre supérieure. Dans ce cas-ci, c'est un tuyau, un jeu de grave, qui est fermé à son extrémité, c'est un bourdon. Et alors pour l'accorder, on enfonce ce tampon qui est garni de peau tout autour pour le rendre bien hermétique. Il y a deux opérations au fond importantes. Il y a d'abord harmoniser le tuyau, c'est-à-dire lui donner le son correct, celui que l'on souhaite vraiment avoir, un son propre. Tout ce travail se fait ici au niveau de la bouche et partiellement à l'ouverture du pied. On ouvre ou on referme pour diminuer ou renforcer l'intensité du tuyau. Ça, c'est vraiment l'harmonisation. Lorsque le tuyau chante correctement, on va alors l'accorder. Et l'accorder, le travail se fait sur la longueur du tuyau. Alors, il y a deux façons d'accorder. Dans les instruments des 17e et 18e siècle, on accorde au ton, c'est-à-dire qu'on recoupe le tuyau jusqu'à ce qu'il soit bon. Et en fin de parcours, on accorde alors avec les cônes d'accord, tels que ceux que vous voyez ici. Vous voyez, nous en avons de différentes grandeurs. Au 19e siècle, ils pratiquaient d'une autre façon, avec des entailles d'accords. Vous voyez ici les entailles d'accords. Donc là, avec la pince, on va pouvoir enrouler ou dérouler légèrement et ainsi permettre d'accorder le tuyau. Donc ça, ce sont les jeux à bouche. Il y a l'autre grande famille de jeux dans l'orgue qui sont les jeux à hanches. Donc là, la production est tout à fait différente. C'est une languette qui bat sur une cuillère qui est creuse. Et là, ce n'est plus la longueur du tuyau qui donne la hauteur du son, mais c'est la longueur de la partie vibrante de la languette. Donc, accorder un jeu d'anche, c'est travailler sur la rasette qui appuie sur la languette. Et je vais d'ailleurs vous faire une petite expérience. Voilà, donc je pense que... C'est un sol, voilà. Pour accorder un tuyau, j'ai toujours besoin d'une référence, d'un autre tuyau. Donc c'est le jeu qui est là derrière. Et dans l'orgue, c'est ce jeu qu'on appelle habituellement Prestant 4. Voilà, l'essentiel pour la partie tuyau. Donc des petits tuyaux comme ceci. Bon, pour si nous voulons les accorder. Donc là, il est trop long. Eh bien, je vais le recouper avec ma cisaille. Bon, il en faut encore. Voilà, on est pratiquement bon. Évidemment, en prenant le tuyau, je l'ai échauffé. Je vais devoir attendre un certain temps pour bien le laisser refroidir. Et lorsqu'il est alors bien à la température ambiante, je vais pouvoir l'accorder
Si j'ai recoupé un dixième de millimètre en trop, j'ai la possibilité de le refermer légèrement, ce qui produit l'effet de l'allonger. Si je frappe un peu trop ou une fois en trop, je vais alors le réouvrir. Mais ça, c'est plutôt la façon d'accorder au 17e et 18e siècle. Les rouleaux d'accord étant essentiellement pratiqués au 19e siècle, ça a été une méthode qui a été particulièrement mise au point par Cavaillé-Coll, le grand facteur d'orgue français au 19e siècle, évidemment. Si tu élargis un peu la lumière, ce sera pas mieux? Le do, c'est pas mal. Le deuxième do me semblait toujours faible en bas. Oui, il est un peu faible. Ok. Attention. La difficulté dans un chantier tel que celui-là, c'est que les possibilités, les libertés de salle sont très réduites. Les tuyaux Scheiven ont été soudés, surtout le lien entre le corps et le pied a été, disons même plutôt le biseau, a été soudé à une température probablement trop élevée, ce qui a provoqué des coulées d'étain à l'intérieur des pieds. Et alors curieusement, lorsque vous avez une coulée ainsi à l'intérieur de pied, eh bien le tuyau parle plus difficilement. Donc nous avons dû procéder à appliquer quelques petites astuces d'harmonistes pour éliminer les souffles et les turbulences que ce défaut occasionnait dans le parler des tuyaux. Mais ça nous a pris quand même un certain temps, là il faut bien le dire. Clarinette s'il vous plaît. Toute seule? Toute seule? Ouais.
marche là? Non, l'autre est seulement ouvert. C'est incroyable ça. Donc là, on appelle la moitié de l'expression. C'est déjà pas mal. Hein. Vous savez qu'ici, dans l'instrument de la Salle Philharmonique de Liège, on a un orgue de 3 claviers, 55 jeux. Chaque clavier a une série de jeux bien particulière et le pédalier a aussi sa propre série de jeux individuels. Nous sommes ici au cœur de l'instrument, dans le socle, le soubassement, et vous distinguez derrière moi les tableaux électriques avec les cartes électroniques qui gèrent l'instrument et son mode de transmission, qui est un mode de transmission électrique. Donc le mouvement des touches imprimées par l'organiste à la console de l'orgue, le poste de pilotage en réalité, ce mouvement est retransmis jusqu'aux soupapes à l'intérieur de l'instrument par un système électrique. À l'opposé des tableaux électriques qu'on voyait à l'instant, ce sont les sommiers de pédales. En fait, les sommiers dans un orgue, ce sont des caissons qui contiennent l'air sous pression. Et ces caissons sont compartimentés de manière à alimenter les tuyaux de manière sélective, soit par jeu, soit par note. Nous nous trouvons ici au premier étage de l'orgue. C'est l'étage du premier clavier, ce qu'on appelle le clavier de grand orgue. C'est le clavier principal, c'est celui qui comporte les jeux les plus sonores et les jeux de plus grande taille, car vous voyez ici que certains tuyaux font 5 mètres de haut. C'est également le clavier qui fait parler les tuyaux qui sont en façade, les tuyaux de montre 16. Pour définir la tessiture d'un jeu, on la qualifie par la longueur du premier tuyau du jeu. Donc ici, une montre 16 comporte un tuyau, le premier tuyau que fait sonner le jeu, est un jeu de 16 pieds, donc il fait à peu près 5 mètres de long, 5 mètres 30 de long. Du sagst das. Wenn du willst, können wir das machen, ja. Ici au deuxième étage de l'orgue, nous sommes en fait dans une boîte du récit expressif qui est en fait le troisième clavier de l'orgue. Au 19e siècle, on a mis au point un type d'instrument stylistiquement plus proche de l'orchestre symphonique et qui permettait de faire des variations de nuances importantes du pianissimo au fortissimo, d'un triple piano au triple forte. Pour ce faire, on a élaboré un système qui est en fait d'enfermer une partie des tuyaux, bien la totalité des tuyaux d'un même clavier, à savoir ici le troisième clavier qui s'appelle le récit, d'enfermer les tuyaux de ce clavier dans une boîte que l'on peut ouvrir ou fermer graduellement à l'aide d'une pédale qui se trouve juste au-dessus du pédalier. Donc c'est une pédale qui n'actionne pas de notes particulières mais qui permet d'ouvrir ou de fermer la boîte, la caisse dans laquelle se trouve la tuyauterie du récit. Dans l'instrument avant la restauration, on avait une succession des plans l'un derrière l'autre. Si vous voulez, on avait les tuyaux de façade, on avait juste derrière les tuyaux du grand orgue, premier clavier, ensuite les tuyaux du deuxième clavier, le positif, et ensuite les tuyaux du troisième clavier, ils étaient tous l'un derrière l'autre. L'inconvénient de cette disposition était que le deuxième et le troisième clavier étaient expressifs tous les deux, et les boîtes avaient été placées l'une devant l'autre, à peine décalées en hauteur, ce qui faisait un barrage pour l'émission correcte du son du troisième clavier. Ici, on a remanié complètement l'instrument de manière à superposer ces deux plans sonores, de manière à ce qu'ils ne se gênent pas mutuellement au niveau de l'émission du son.
Derrière moi, vous voyez des tuyaux de bourdon 16. En fait, ce sont des tuyaux en bois, parce que si l'on voit des tuyaux en métal en façade, il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a énormément de tuyaux qui sont également en bois. Ce sont généralement des tuyaux qui correspondent aux sonorités les plus moelleuses de l'orgue. Dernière étape de notre ascension dans l'instrument, nous sommes ici dans la boîte du positif, donc c'est le deuxième clavier qu'on appelle positif expressif. Positif, c'est en fait une appellation très ancienne qui remonte au Moyen-Âge, qui dénommait au départ des petits instruments, des petits orgues que l'on posait sur le sol. Donc ça n'a rien à voir avec positif et négatif. Par extension, on a gardé cette appellation pour désigner un clavier bien précis dans un très grand instrument. De nouveau, ce sont des lamelles mobiles qui permettent d'ouvrir et de fermer la boîte dans laquelle nous nous trouvons. Et ce qui est important et visible, bien visible ici dans la boîte du positif expressif, c'est ces tuyaux recourbés, à savoir que quand les facteurs d'orgue manquent de place dans l'orgue pour des tuyaux qui sont de longueur importante, ils ont la possibilité de les couder ou parfois même de les siphonner, comme un siphon en dessous d'un évier. On voit ici des tuyaux du principal 8 du positif. Vous voyez qu'ils ont été coudés de manière à ne pas dépasser le plafond. De même ici, il s'agit du salicional, donc un jeu de gambes assez étroit et très long. Le premier tuyau est recourbé de manière à ne pas dépasser le plafond de la boîte. Quand on a fait le plan de restauration de l'instrument, on a décidé de revenir à la composition d'origine de 1888, mais de l'augmenter de quelques jeux disséminés dans l'instrument, à chaque clavier et au pédalier. Ici, dans le positif, on a ajouté quelques jeux dans l'aigu, principalement. Vous voyez qu'il y a deux séries de tuyaux qui sont entièrement neuves, qui sont le piccolo de 1 pied, un jeu très aigu, et la tierce de 1 pied 3 cinquièmes, qui donne une couleur bien particulière, qui est utilisée souvent dans la musique moderne, la musique contemporaine. On a un métier passionnant, il faut le dire, parce que chaque instrument, que ce soit une construction ou une restauration, c'est une aventure. Parce qu'on doit, je dirais, apprivoiser ou se laisser apprivoiser par un lieu donné dans lequel il faut faire sonner un orgue, vraiment, un instrument qui doit être en parfaite adéquation avec le lieu. Et ça, c'est effectivement toujours un défi qu'on aime relever.